Et salut YouTube, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate. Nous sommes toujours dans la ville de la Porte de Baldur où les gens ont tendance à nous chercher des noises. Moi je voulais être gentil et tout et ça se passe mal. On a quelques quêtes à terminer et ensuite on ira enquêter dans les égouts Bien où, sûr. qui sont le cadre de mystérieuses disparitions. Alors, du coup, au niveau de nos quêtes, puisqu'on en parlait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons deux nécros qui se battent et on n'a pas trop de nouvelles de où ils sont. On doit aller voir Yago. Yago qui est à la lanterne assourdie, qui était le bateau qu'on avait vu sur le port. On a Gorak qui on doit retrouver son. Le crâne de son frère. De Keref. Les investigations sur le trône de fer, on s'en fout pour l'instant. Cambriolage, on va le laisser de côté, je pense. Les citoyens disparus, ça c'est la quête des égouts. Les gantelets de Noraï, on va pas les rendre parce qu'ils sont trop bien. L'homme de Baldurien, on va essayer de le retrouver. Et après on a les pêcheurs, le gnome on s'en fout. Les Chilochènes et les ogres mages. Zone sud-ouest de la forêt. Ah oui c'était près de Valpelle, bon c'est pas du tout dans le coin. Voilà. Alors, Yago. Oh c'est loin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oh, c'est loin. Bon, l'avantage des quêtes qu'on est en train de faire ici, c'est qu'elles rapportent la blinde d'XP et du coup, ça devrait nous faire monter assez vite en niveau. Évidemment, avant de finir le 1, on va se faire l'extension et du coup il y aura des heures de donjons, de massacres et de quêtes sanglantes à notre actif. Ça va être sympa, vous allez voir. La lanterne assourdie c'est ici. Yago, pour autant qu'on le sache, c'est un mage et vu la propension des gens à nous attaquer alors que nous on veut juste discuter, on va anticiper le Aussitôt bordel. dit, aussitôt fait. Et où mon gars? Au pied. Dame. Et vous avez beaucoup de chance, hein? Ouais, c'est pas. Ah, là, cet entrepôt est ici. J'ai raté la dernière fois. Un gaspillage de talent. Roturier. Votre vie n'a aucun intérêt pour moi. Vous venez ici dans un but précis, n'est-ce pas? Je vous confie le secret. Il n'y a pas de but, juste l'entropie, merveilleuse et sensuelle. Mon âme sœur et moi connaissons l'entropie mieux que quiconque. Peut-être pouvons-nous faire partager ses plaisirs. Lao Tzu a dit, il faut trouver la voie. Comment vous appelez-vous, madame, et quelle est cette entropie dont vous me parlez? Je m'appelle Desreta, et voici Vaiva. Nous ne faisons qu'un avec le néant. Nous savons que la vie n'a pas de sens. Nous allons vous montrer ce qu'est le plaisir et de l'entropie. Vous allez connaître le délice de ces caresses glacées. Ce sont des nihilistes, Denis. Montrez-moi donc ce plaisir dont vous parlez, je suis sûr que ça va être assez intéressant, surtout si vous le montrez dans l'intimité de votre chambre. Ne vous inquiétez pas, j'aurai un berger allemand et un grippe. Pas besoin d'aller dans la chambre, nous pouvons vous montrer. Ici. Rares sont ceux qui acceptent d'aller vers le grand néant. Ils ont peur, mais il n'y a aucune raison, la vie est creuse. Il vaut mieux en finir vite plutôt que d'endurer sa souffrance. Ouais, voilà. C'est reparti. C'est reparti et il y a une sorcière dans le fond. Alors quoi? Du coup on va vite régler le problème. Elles avaient quelque chose en tête. Bon alors elle s'est fait. Dinaer. Ah non merde, c'est Dinaer qui est morte. Non. Oups. Vous serez vengés. Un gaspillage de talent. J'en veux aussitôt pourvu. Dit, aussitôt fait. Je pensais qu'on avait tué Votre l'armée vie méchante. N'a aucun intérêt pour moi. Oui, gagner entropie, oui, plaisir, oui, restons. En Vous résumé, bien désirez? sûr. Hop, balance la sauce là-bas. Trop tard. Trop tard et c'est embêtant. Vous êtes une bien étrange personne. Par ici! Censé pouvoir vraiment détecter les illusions, mais c'est pas sûr. Il ouais, Kali, va me tu vas me prendre trop cher. Vous aider? Quoi? Tout ce qui vous plaira. On essaie de défoncer Desreta rapidement. Avez-vous besoin de le choix?
qui en veut. Aïe aïe aïe, ça craint. Armin utilise ça pour dîner, c'est pas grave, elle aura plein de vie, c'est bon. Fade, tu vas soigner Khalid parce qu'il va pas bien. Et tu vas balancer une résistance à la peur parce que sinon ça va mal finir. Merci Khalid. Très sympa de ta part. Quoi? Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un game over. Ce groupe promet énormément. Un changement de stratégie. Un gaspillage de talent. Votre vie n'a aucun intérêt pour moi. Ah, mais Diner, mais c'est pas l'espèce de... Et que ça aille vite. Toi tu piques. Donc toi on va te démonter tout de suite. Oui. Hop, hop. Jera vient déjà de prendre méchamment. Hop. Puis-je vous être utile? L'espace est très réduit, c'est très chiant. Je vais avoir besoin de soins. Le serviteur. Vous êtes une bien étrange. Ah, mais c'est pas vrai! Quoi? Aussitôt dit, aussitôt fait. Décidément. La bougresse est plus solide que tendue. Vous avez besoin de quelque chose? Bon, c'est pas grave, hein. Et que ça aille vite. Hop, hop, hop. Oui? Qu'est-ce que vous me cherchez? Un gaspillage de talent. Votre vie n'a aucun intérêt pour moi. Point de bon cœur, n'y est pas vraiment. J'ai toujours raison. Quoi? Fait, tu vas lancer une lenteur. Qui n'aura servi à rien. Une résistance à la terreur sur le groupe, parce que sinon ça va courir encore une fois n'importe où. Je m'affaiblis. Il va me servir un guérisseur au plus vite. Je vais défoncer la mage avant qu'elle foute la brin. Ouais, là on a un gros problème. Nous avons un gros problème. Aussitôt dit, aussitôt fait. Vous avez quelque chose en tête? Jaira, bute pas ton mari. Quoi? Putain. Pourquoi sont-ils si méchants? Mais parce que... Ah, il devrait tenir encore un peu. Gaspillage de talent. Et que ça aille vite. Allez, défoncez. Ça, ça sent le... Elle s'est pris un bon gros critique dans sa face, ça suffit à le tuer. Par contre, on est... Quoi? Dans une fâcheuse posture, on a plus de soins. Et Khalid est en train de se vider. Vous êtes une bien étrange personne. Vous désirez? Et que ça aille vite. Il y a une dissipation de la magie qui peut servir. On va essayer de voir si ça peut suffire à dissiper la magie, par exemple. Oui. Puis-je vous aider? Je ferai de mon mieux. Ouais, comme ça, Jaira pourra taper sur Minsk autant qu'elle veut, on s'en fout. Oui. Eh ben c'était tendu, elle faisait mal, hein. Tac, fake clairvoyance, tu l'avais pas. Peut-être pour dîner. Classique. Typical. Bouclier de feu bleu. Il me semble qu'on avait déjà le bouclier de feu rouge. Alors, une dague plus 1, c'est tout pourri. Les mains de Takok. La force du porteur passe à 18. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est même parfait. Khalid, il a quoi? Il a l'héritage des maîtres, c'est pas mal. Mais 18 en force, ça va quand même changer sa vie. Parce qu'il n'y a que 15 et c'est pour Axe. Hop là. Ah, c'est l'épaisseur sur ta côte 2, c'est dégâts, ça vous fait plus 4. C'est une bonne opération. Surtout que maintenant il peut porter une plainte de trucs. Jaira va prendre les gants améliorés. Le second bras droit de Pedrolito. Le plus à Dex.
Ligand là, il sert à que dalle. Du coup, ça va être pour fail, non? Hop là. Il y en a. Quoi? Plus de nouveau corps de gemmes. Oui, quoi? Hop là. Ah, du coup, on est censé affronter Yago, qui est censé être un mage, parce qu'à mon avis, il veut pas filer son... le truc de Bilbara aussi facilement, mais on est déjà dans un état assez pathétique. Un gaspillage. Alors, du coup, on a la technique habituelle du spam de projectiles magiques. Vous avez besoin de quelque chose? Par une œuf en fer, que faites-vous tous dans ma chambre? Nous sommes ici pour retrouver un remède à la malédiction que vous avez jeté sur la fille de Brielle Barin. Alors la gare sera engagée des aventuriers pour obtenir un remède pour sa précieuse fille. Elle aurait dû envoyer quelqu'un à la hauteur de la tâche au lieu de simple bouseux. C'est toi, c'est qui dit qui est? Un magicien qui use de ses talents pour nuire à une enfant ne peut être que condamnable. N'as-tu donc aucune morale pour faire une telle chose? Ton épouse et son amant t'ont peut-être fait du tort, mais de vous trois, c'est toi qui as commis le péché le plus impardonnable. Un magicien qui n'use pas de son savoir comme bon lui semble est un idiot, et figurez-vous que j'ai une idée très claire de comment utiliser les miens dans les prochaines minutes. Je vais te botter le cul. Oui. Botting the cul. Là. Puis-je vous être utile? Ce sort est tellement bien pour interrompre les mages. Que les guerriers vont peut-être même pas besoin de se mettre à se battre. Armure et épée en place. Bon. Un gaspillage de talent. Ça, pour une fois, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je m'en vais. Voyons voir s'il y a des choses dans la chambre du mage. Oh oui, du sort. Plein de sorts. Vous désirez, c'est comme si c'était fait. Alors, la flèche acide. Cette running joke commence à me fatiguer. Malheureusement, l'inconvénient, c'est que quand c'est un jeu vidéo, contrairement à la table, tu peux pas changer tes dés parce qu'ils sont cassés, qu'ils marchent pas, qu'il y a plus de piles, ce genre de choses. T'es obligé de rester avec le dessin tout pourri qu'elle utilise pour apprendre ses sorts. Oui, un gaspillage de talent. Bon, alors, comme le veut la tradition, on a massacré tout le monde dans notre taverne, et donc temps de s'y reposer. Serveur là-bas. Vous voulez du whisky? Chambre de paysan, évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Alors, Brielle Barra, c'est fait. Avez-vous besoin de mes services? Brielle Barra, c'est fait. On va devoir rendre son livre. Gantley, on s'en fout, lui dit, l'homme. On va se faire Gorak, qui est aux trois vieilles shops, donc on était passé devant, c'est dans le quartier dans le nord. Et tu peux pas gruger. Non, tu peux pas gruger léger, ça c'est un petit peu embêtant. Ou alors, à moins de faire recharger, sauvegarder, recharger, sauvegarder, mais ça va vite devenir fastidieux. L'homme de Baldurien, ça doit être au homme et la cape. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les citoyens sont disparus. Du coup, en route pour le quartier nord. Bien sûr. Ah, puis on va aller se faire Ramazit aussi. Tant qu'on y est. Hop là. Comme ça, on va pouvoir passer directement aux trois vieilles shops et on va se faire la tour de Ramazit. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça fera d'une pierre deux coups. Un gaspillage de talent. Bel ami là-bas qui est un espèce de gnome chelou. Voulez-vous bien nous laisser seuls? Vous n'avez rien à faire ici. On dirait que des temps difficiles à prendre. Bonne journée. Bonne journée à toi, mon petit gnome. Pour une fois que tu viens pas me chercher. Voulez-vous bien nous laisser seuls? Vous n'avez rien à faire ici. Vous puez comme les aventuriers pas recommandables que vous êtes.
Regardez, camarade. C'est maintenant une langue. Si seulement son cerveau était proportionnel. À quoi sert d'avoir de l'esprit si on ne s'en sert pas? Soyez tranquille, il n'est pas encore décelé cette grâce chez vous. D'avoir un entrain, Belgowin. Quelle profonde fournissez-vous? Oh, des chambres de riches. Non, merci. Je suis pas là pour ça. Nous avons Koningar. Et un autre étage. Et des gens cachés, coincés derrière un escalier. Pardon, Itil. Ciao. Je vous souhaite un séjour paisible. Les gens viennent se réfugier ici pour échapper à l'agitation des routes. Et vous, vous verrez à ces chenets, qu'est-ce que vous diriez me servir de refuge loin des visages affreux de mes semblables? Nous avons enfin un endroit où réfléchir tranquillement à la fin de cette aventure. Je me réjouis de ce séjour reposant. Nous vous accueillons en bras ouverts. Les affaires sont malheureusement périclitées en même temps que les trafics sur la route. Les nouveaux clients sont les bienvenus, en particulier quand les anciens ne peuvent plus faire le voyage et laissent les chambres libres. Merci, ma bonne dame, tu es bien accueillante. Pardon à Koningar. Je ne sais pas qui vous êtes. Poursuivre mes méditations m'est difficile dans l'agitation de cette cité. Pourriez-vous m'aider à trouver une potion de focalisation mentale? Ouais, je dois avoir ça dans mon stock. Antidote, non. Non plus. Résistance à la magie, non. Force de genre des nuages, non. Alors, focalisation mentale. Et ben voilà. Ça fait quoi? Intelligence plus 3, dex plus 3. Ouais, top. J'espère que tu payes bien. Je ne suis pas très heureux, non pas. Malgré toute la sauvagerie de cette ville, je suis reconnaissant d'avoir rencontré des gens comme vous pour en arrondir les angles. Appelez-moi Koningar. Tenez, prenez ce marteau pour vous souvenir de moi lors de votre prochaine bataille. Un marteau de guerre. Plus un. C'est mieux que rien. Hop, ça va être à Kaline, notre nouvelle mule. Et que ça aille vite. Alors ici, nous avons le crâne de Keref, parfait. Et le dernier étage, on a quoi? Un gaspillage de talent. On a rien ni personne. Ici non plus. Nous avons Dame Ariana. Comment osez-vous faire ainsi à l'obscur dans ma chambre? Sortez tout de suite. Attendez. Peut-être pourriez-vous m'aider? J'ai besoin de quelqu'un pour un service. J'ai besoin de faire supprimer quelqu'un. Vous voulez vous débarrasser de quelqu'un? Je ne participerai pas au meurtre d'innocents. Pourquoi mériterait-il de mourir? Massacrer des coupables, je veux bien. Massacrer des innocents, ça se monnaie. Ce gredin n'a rien d'innocent et il menace de détruire ma vie en répandant des accusations. Il menace de ruiner ma réputation si je ne lui remets pas une somme énorme pratiquement chaque semaine. Je vous en prie, il faut m'aider. Je ne connais pas l'homme, mais chercher à s'enrichir des mésaventures d'autrui est clairement détestable. Cependant, les moyens de cette femme est prête à utiliser suggèrent qu'elle est vile, elle aussi. En vérité, ils me dégoûtent l'un et l'autre, et je propose que nous les laissions régler leurs différences sans interférer. Si vous faites perdre beaucoup d'argent, vous pouvez sans doute investir beaucoup pour vous en débarrasser. Quelle sera ma récompense? Combien tu payes? C'est un peu direct, mais il fallait s'y attendre. Si l'or est aussi important pour vous, alors vous en aurez en abondance. Je vous paierai 2000 pièces d'or pour le travail. Il s'appelle Sir Demac et il fréquente la taverne du Champ de l'Elfe. On dit que l'endroit est dangereux. Vous pourrez même faire cela dans la salle principale sans que personne ne lève le petit doigt. Faites vite. Allez. Banco. Je ne suis pas un monstre assoiffé de sang. Que ferais-je d'un trophée aussi macabre? Faites ce que vous avez à faire et laissez-nous tous les morceaux sur sa place. Bon, et pour 2000 pièces d'or, ma bonne dame, il n'y a pas de souci. Bon, donc nous avons récupéré le crâne de Keref et ça c'est bien. On va rendre visite à notre brave Ramazite qui doit pas aller dans un coin. Parce qu'il a un truc qui m'intéresse. Il y a même un truc qui m'intéresse énormément. Quoi? Moi, je m'en vais. Oui. Un gaspillage de talent. Allez, hop, voilà.
Allez, petite mouche, tu te rends la toile d'araignée. Eh ben, baston. Enfoiré. Bien sûr. Oh le lâche, il a fui. Oh le lâche. Bon ben, hop. Il y a ici des gelées moutardes. Dîner armine efficace. Paye d'armine efficace. On s'est immunisé aux armes normales. Les yeux, Bou. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Les yeux. C'est pas grave, c'est des projectiles qui coûtent littéralement rien. Hormis quelques nuits d'auberge, évidemment. 2000 XP. Par gelé, c'est pas mal. Ouh, salut la foule. Salut, salut. Mon cœur n'y est pas vraiment. Il a fait quoi de mal, lui? Le mec qui essayait de soutirer de la thune à la... Oh oh. Quoi? Ouais, ben, on va perdre Imoen. Grâce à une erreur de perspective. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ouais, le mec qui essayait de tirer de la thune à la dame, je sais pas, il m'a payé 2000 balles, moi ça me suffit comme argument. Il faut viser les yeux. Ça évite. Le serviteur de Dame Nature désigné la cible et moi je frappe. Ben tu te barres parce que si t'es paralysé ça va être la cata. Qu'est-ce que j'en ai assez. Moi il ne reste pas à côté non plus. Merci. Pour de bon. Et j'ai toujours raison. Quoi? Et que ça aille vite. Oh mon cœur n'y est pas vraiment. Le mec qui s'est téléporté. Bah c'est le gars qui a pétrifié le groupe de 6 mecs qui avait le homme de Baldurien et la cape. Un gaspillage de talent. On va dire que c'est un argument suffisant. Mais en réalité, c'est pas pour ça que je me le farcis. Parce qu'il y a un truc qui m'intéresse beaucoup. Bon alors, du coup, Dinaire, on a intérêt de la soigner rapidement, sinon ça va mal se passer pour elle. C'est en effet pas très gentil. Vous n'êtes pas très aimable. Josette. Pose-toi une armure. Quoi? Bon, sinon si on le finit avant. Les yeux, il faut. Tu as tué pour moins. Oh, j'ai tué pour beaucoup moins que ça. Moi, si on me paye suffisamment. Et que ça aille vite. Bon, les gemmes, on va pas se les ramasser parce qu'on a déjà beaucoup trop de trucs. Et puis bon, on a 31 000 balles, ça commence à être suffisant. Un gaspillage de talent. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à l'étage suivant? Des kobolds. Puis-je vous être utile? Dinaire, tu vas lancer un flou. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Et tu vas mourir, évidemment. Dinaire, tu vas lancer une armure de. Ah, un flou, t'as toujours pas d'armure de mage, t'as pas pu l'avancer. En fait, tu vas la soigner. Et que ça aille vite. C'est vraiment le boulet du groupe, Dinaire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et j'ai toujours raison. Pour ceux qui ont perdu. Jaira prend quelques coups, mais c'est pas grave. Mais bordel. Ça sert vraiment à rien. Un gaspillage de talent. Vous désirez. On va pas lancer une boule de feu, ça a mal se passer. Charme personnel. Et ça aille vite. Les yeux, il faut briser les yeux. Ok. Donc je me suis fait défoncer. Je suis niveau 6 et je me fais rect par des kobolds. L'humiliation est totale. Quoi? Et ça aille vite. Bon, et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'envoie tout le monde. Je ferai de mon mieux. Ça va aller comme ça aussi. Rapidité, efficacité. S'il n'y a pas le choix. Avez-vous besoin de mes services? Pourquoi y aller à 6 quand on peut y aller tout seul? Un gaspillage de talent. Quoi?
Aussitôt dit, aussitôt fait. Ramazite. Viens, viens mon loulou. Viens, c'est pour discuter. Nettoyage. Oui, service de nettoyage qui arrive. Hop là. Des bracelets, un anneau, une amulette et une robe. C'est pas forcément ce qui m'intéresse en premier lieu, mais c'est déjà pas mal. En fait, tu vas balancer ça à Khalid qui va pouvoir tout stocker là-dedans. Hop, hop. Quoi? Radical, ça sent un temps d'identification. Vous êtes une bien Imoen, tu vois. J'en ai assez. Vérifier parce que je pense que Jojo le Mago, il a dû piéger la moitié de ses trucs. Ou pas. Alors, de l'or, une baguette des parchemins. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est venu. Oui, un gaspillage de talent. Hop. Identifié, on n'a plus d'identification de prêtre. Dinière, rends-toi utile. Merci. Un point d'intelligence en plus. C'est délectable. Ça nous permettra de passer à 19. Quoi? Voilà. Alors 19, on va peut-être gagner des 100. Non, non, non. Non, par contre, en termes d'apprentissage, on a dû passer à 100%, je pense. Toujours 95, bon, c'est pas grave. Et que ça aille vite. Les jets de sauvegarde sont plus difficiles, probablement, peut-être, sûrement. Ben du coup, Khalid, tu as fouillé l'adresse. Je ferai de mon mieux. Je l'espère bien. Les parchemins, on verra plus tard. D'autres parchemins, ça c'est bien. Ça sert à rien, très bien. Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'il les connaît déjà tous. Oui. Dinaire, je pense que non. C'est comme si c'était fait. En effet, il y a invisibilité, image miroir qu'elle connaissait pas. Ah, alors nous avons 4 parchemins à prendre. Sachant qu'elle a 75% d'apprentissage, combien va-t-elle réussir à apprendre de sort? Les paris sont ouverts. Je prends un petit peu le temps de l'équiper. Comme ça, vous avez le temps de... il faut trouver Edwin. On a déjà trouvé Edwin. Il était à Nashkel, mais on avait décidé de partir sur un groupe relativement bon. Et donc, du coup, on a embauché Minsk et Dinaire. Principalement pour Minsk. J'aurais pu laisser courir Dinaire à poil un peu n'importe où, mais... mais finalement, j'ai préféré la garder vivante. Après là, vu qu'elle va prendre peut-être quelques sorts, ça va peut-être la rendre la plus utile. Et deux lanceurs de sorts en fin de jeu, ça peut être pas mal. Invisibilité. Oh. Image miroir. Ah. Bon, après, les deux autres, elle les connaissait déjà, mais... Oh, elle est vraiment quand même trop pourrie. Hein. Sur deux sorts à apprendre, elle a quand même... Je ferai aussi peut-être une compilation des sorts ratés. Edwin est tellement fort. Oui, Edwin est extrêmement fort. Je pense que lui, il est bien. Il y a Xan qui est pas mal aussi, mais il a pas vraiment de sort d'attaque, donc c'est un petit peu chiant. Et surtout, il faut savoir le supporter, parce qu'il est un petit peu déprimant. Mais après, ouais, en mage pur, il n'y a plus grand monde. Sinon, le bon plan, c'est d'utiliser Imoen comme mage. Elle a 17 d'intelligence, je crois. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça fait une mage du niveau de Dinaire, en fait. Donc, au pire... avec Imoen en mage et Safana en voleuse, par exemple. Quoi? Ça peut faire un groupe efficace aussi. Un gaspillage de talent. Ou si le personnage principal était voleur, par exemple. Avez-vous besoin de mes services? Un gaspillage de talent, bien sûr. Du coup, Ramazit, on l'a fait au ramasse poussière. La cape et... Le casque, il est... Cap, ils sont où déjà? Gorak, c'est bon, on a trouvé son crâne. Le homme, il était chez Kenash. Bien sûr. On laisse récupérer le casque au moins, et après on va se récupérer la cape.
tant qu'à faire. C'était pour là, c'était peut-être là. Maison de Queen. On n'est pas encore allé voir ce qu'il y avait dans la maison de Queen. Allons voir ce qu'il y a dans la maison de Queen. Un gaspillage de sûrement talent. Quelqu'un qui va encore nous dire oh, qu'est-ce que vous faites là, je vais vous péter le cul et puis on va le massacrer. Classique quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Par ici. Oui. Un gaspillage de talent. Alors. Queen. Un gaspillage de talent. Elles avaient quelque chose en tête? Ah, les orques qui mettent la pagaille en haut du fleuve sur la rive est, juste au nord de cette garce de prêtresse. Ah, ils ont emporté mon pote Nestor, mais aussi ils ont failli m'entraîner. C'est pour ça que je suis si triste. La mère à Nestor, elle va voir que quelque chose a le lui enterré, mais je fais encore trop de cauchemars pour retourner là-bas. Elles avaient quelque chose en tête? Excusez-moi de vous avoir embêté l'autre fois avec cette horrible histoire sur Nestor et les orques. C'était la vérité, mais c'est pas bien de refiler comme ça tous les ennuis aux autres. J'espère que vous m'en voulez pas. Ouais, du coup, tu dois filer une quête, mais. Merde, je suis con. Elle, c'est pas pour le journal de quête, elle, c'est pour charger. Bien sûr. Oh là là, les mauvais réflexes. Un gaspillage de talent. Elles avaient quelque chose en tête? Ni. Du coup, l'ami de Queen. J'ai un gnome du nom de Queen, m'informe qu'il est avec la enquête. Nester, défunt, Queen, nord-ouest de la ville. Okay. Bon, bah, si jamais on retourne dans ce coin-là. Si jamais on retourne dans ce coin-là, on s'y intéresse aussitôt pas. Dit, aussitôt fait. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Bien c'est vrai sûr. Que c'est ici. Il y a eu un petit incident. Une petite armure d'ankeg, très fort. Ouais, Minsk en a déjà une. Et on peut en trouver une gratos dans le jeu à Nashkel. Qui un gaspillage est, de talent. Dissimulée dans un champ. C'est celle-là qu'on a pris. Sinon, je pense qu'en ramenant juste une armure, en ramenant juste une carapace à Grand Marteau, on pourra l'avoir. Alors, c'est Minsk qui a actuellement l'armure de plate d'ankeg. Et c'est sympa parce qu'elle est plus légère qu'une plate normale. Donc, ça nous évite pas mal vous de soucis. Je m'en vais. Alors, hop, et hop, le Bocax. Moi qui en veux, prêt à l'attaque, armure et épée en place. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, maintenant que la meilleure presse du jeu, il va falloir identifier à un moment ou à un autre. Pour que je me rappelle un peu à quoi il sert, quand même. Ça, c'est bien. Bien sûr. On va aller récupérer la cape qui correspond. On va voir Kenash. Donc Kenash, après on doit rendre le crâne de Keref à Keref, à je sais plus comment il s'appelle. On peut en profiter pour aller voir Briel Barra qui doit être là. Bien là. Sûr. Mais comment as-tu deviné que le casque était là? Peut-être que c'est écrit sur le nom de l'auberge. Le homme et la cape. Puis après, peut-être que je connais aussi où est le casque. Mais ouais, le nom de l'auberge, on dit quand même assez long. Et le parchemin de... Une pensée pour les jeux du Huron. Oui, ils se sont répandus de façon un peu trop extrême sur le sol. T'es qui, toi? Il faut boire. Allez, toi, t'es qui? Pauvre Nabara, dites-moi, vous avez obtenu un remède à la malédiction? Oui, nous l'avons sur nous. Merci, merci infiniment, je vous dois tout. Si je peux faire quelque chose, vous n'avez qu'à le demander. Donne-moi de la thune. 200 pièces d'or, ridicule. Ridicule. Un gaspillage de talent. Vous m'avez sauvé mon gosse, je vous donne 200 balles. Quoi, c'est crevard? Du coup, on est quand même pas mal. Ah, XP, Fade approche du niveau, c'est très bien. Jaira aussi. Ouais, Fade, ça va être le prochain. Niveau 7, ça va nous faire des sorts niveau 4. À lancer, ça va commencer à dépoter. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors. Hey, salut! Vous m'avez l'air bien sympathique! Ah, je vous en prie, vous devez nous sauver de ce satané fer! Pourquoi verser tant de larmes pour une crise qui est plus politique que personnelle?
La guerre est politique, mais ne destropie-t-elle pas les maris? Ne tue-t-elle pas les fils? Oh, mon mari mena la charrue derrière nos chevaux lorsqu'une pièce en fer pourri s'est brisée. Les chevaux se sont emballés, la charrue s'est soulevée pour retomber sur mon homme. Il était traîné sur 20 mètres sur le sol rocailleux et il est à l'agonie. Les clercs ne peuvent plus rien pour lui, et vous me demandez encore pourquoi je pleure? Écoutez, madame, votre mari a été la triste victime d'un échec critique. Bon, les gars, si vous voulez profiter des plaisirs des clubs souterraines, il faut payer 10 pièces de rentrée. Après ça, à vous les délices de notre histoire et les petites femmes pour la nuit. Le prix est un peu élevé, on peut discuter. Ah, y'a pas de réduction qui tienne. Bon, donnez l'argent. Allez, d'accord. 10 balles. 10 balles pour aller voir les femmes. Vous désignez la cible et moi. Les femmes de petite vertu. Couvre ton nez, Bou. Cet endroit sent encore plus mauvais que la loge. Après une fête de 3 jours, je sais, je sais. Est-ce que Minsk a déjà dit ça? Oui, Minsk en effet. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Il est déjà tombé dedans quand tu étais petit, on te l'a déjà dit. Et nous avons un gentilhomme des courtisanes. Et nous avons Kenash. Je suis une jolie cata, non? Eh, je veux pas être débile en armure qui va se fuir, mes amis. Allez, les enfants. C'est Vile qui m'envoie. Je suis venu récupérer sa cape. Il me l'a donnée. Ah, vous me prenez pour qui? Vile ne donnerait pas une chose pareille, une crapule de votre espèce. J'ignore comment vous avez pris son nom, mais manifestement, vous savez rien de lui. Ah, dites-moi, quel est son plat préféré? Ou le nom de jeune fille de sa mère? Ça m'étonnerait que vous l'ayez même jamais vu. La couleur de ses cheveux? Nom de sa race? C'était un elfe aux cheveux blonds comme les blés. C'est un blond ou un roux? On va dire que c'était un blond. Petit blondinet. Admettons que vous le connaissez. Pourtant, je peux pas croire qu'il renoncerait à une chose pareille pour vous. C'est vrai, il est parfois un peu désinvolte. Ah, ça fait quelque temps qu'il est pas venu me rendre visite. Qui sait, il a peut-être changé. Bon, voici, prenez ça et partez, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Merci, je vous embêterai plus. Partez. C'est comme ça qu'on a une très bonne cape. Quoi ? Très bonne cape, très bon homme. Tout ça grâce à notre talent de papoteur. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'imagine en roleplay par contre la scène qui fait que la meuf il dit « Et alors, il ressemblait à quoi, Vile ?» Et ensuite, il était blond, il était roux, il était blond. C'était un elfe, c'était un nain, je sais plus. Attendez, j'ai réfléchi. Mais je le connais, hein. Je vous jure, je le connais. Parlons à Bork, histoire de dormir. Hey, c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. Toujours la même chambre de luxe. Alors... Quel investigateur, oui, un vrai Sherlock Holmes. Classe d'armure plus 1, jet de sauvegarde plus 1, résistance à la magie plus 25%. Ça c'est balèze. Ça c'est balèze, ça serait encore plus balèze si on avait Viconia, ça ferait 75% de résistance à la magie, ça serait très très fort. Le homme, on va l'identifier avec Dinaer. Homme de Baldurien, classe d'armure plus 1, jet de sauvegarde plus 1, taco plus 1, point de vie plus 5, protège contre les complices. Ça va être pour Khalid. Lui, il a quoi comme homme? J'ai de sauvegarde plus 1, ouais, il y a des résistances. Khalid, ça lui fait passer à moins 5, meilleur taco et tout, c'est parfait. Surtout qu'il avait un casque normal. Voilà. Et que ça aille vite. Alors, ça c'est bien. Il nous reste à voir Gorak. Et après, on va se faire les égouts. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, il est où Goldorak? Il était là-dedans. Pourquoi il faut toujours qu'il me fasse apparaître l'opposé de où je veux aller? On va utiliser une technique de Jedi. Que je le croyais. Un gaspillage de talent. Hop. Hop. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et voilà. Comment éviter de traverser toute la map en deux clics. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tiens mon go. Je n'ai rien de valeur.
S'il vous plaît, laissez-moi... Un pour votre salut et celui de vos enfants, n'approchez pas. Je suis maudit, cette cruelle maladie me punit de ma vilainie. Malade, malade, écartez-vous. Nous allons vous guérir de cette affliction, mon brave monsieur. Non, vos potions et votre magie n'y feront rien. La seule façon de guérir ce mal est de redresser les torts du passé. Derrière un tableau de travail échoppe, blablabla, apportez-le à Agnasia. J'avais oublié. Bien sûr. Bon ben, tombe Timora du coup. Au temple de Timora. Un gaspillage de talent. Puis après on va sur les égouts quand même, on s'est un petit peu dans la quête principale. Et là nous perdons en détour et en circonvolution, mais on avance peu. Après on a quand même pris la blinde d'XP. Un gaspillage de talent. Oui, camarade ? Le crâne de Kéref ? Kéref était prêtre ici il y a fort longtemps et Timora l'a 100 fois béni. Trop peut-être, ça a fait des jaloux, ça lui a créé des ennemis. Et une nuit on l'a retrouvé mort, le corps déchiré et brisé, la tête envolée. Personne n'a jamais trouvé le meurtrier. Personne n'a jamais posé de questions. Mieux vaut laisser cette justice-là à Timora. Peut-être est-ce là son pardon, non ? Demeurez dans la fortune de Timora, étranger. Trouvez Gorak, car il devrait maintenant être guéri. Bim, 1000 XP, encore de la réputation. Un gaspillage de talent. Superstar. Hop. Bien sûr. Hop là. Bien sûr. Alors, à bout de la thune. Après tout, c'est pour ça que je t'ai aidé quand même. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, il a pas l'air d'aller beaucoup mieux quand même. Ouais, hein. T'es juste très très moche dans son état naturel. Je suis guéri. Après toutes ces longues années à pourrir sur pied, j'en vois enfin le bout. Ah, béni soit Kimora, et puis-je mon frère enfin reposer en paix. Votre bonté dépasse ce que je pouvais imaginer. Bon, il vaut mieux. Et oh, la récompense là. Je n'ai rien de valeur. Ouais, s'il vous plaît, laissez-moi La déception, la déception. Aussitôt dit, aussitôt fait. Des entrées d'égout. Il y en avait où ? Il y en avait peut-être ici. D'où qui sont les égouts ? Ah, il y en a bien là. Sûr. Il y en a ici. Ah, et ça, c'est bien. Tu le s'il a rien. Ouais, non, le pauvre, il a quand même passé suffisamment de temps dans une situation bien pourrie, je vais éviter de le massacrer. Moi qui me plaignais justement à l'épisode précédent d'avoir trop de gens qui veulent se battre sans raison. Un gaspillage de talent. Faisons preuve un petit peu d'humanisme. Enfin, autant que possible. On est des gentils. Wow, bonjour, braves gens. Alors, les pauvres habitants de la surface viennent trouver la mort. Ça fera un trésor de plus pour ma collection. Mais Chouchou sème la terreur dans le royaume de la surface, hein. Il collecte des êtres heureux à la surface, ils se nourrissent de leur chair et je récupère les jolis trésors. Mais Chouchou a tué ces intrus. L'odeur, tout ce sang et ces corps mutilés, je ne peux... Répends-toi, Khalid. C'est révoltant, oui, mais tu n'es pas seul ici. Et tu n'es pas faible. Je sais que tu ne failliras pas. J'avais besoin de ça, mon amour. Tu as raison. Mettons un terme à la vie de cet horrible monstre, il doit être arrêté. Et je ne crois pas. J'ai fait le Maurice Sarfati School of Doublage. Moins de paroles. Vous allez faire un petit pas en arrière parce qu'on va balancer la sauce. Quoi ? Bon, ça c'est bon. Ah bon, c'est une petite chanteur, ça va quand même tout bien. Ils sont nombreux quand même. Bon, c'est bon, tout le monde est ralenti. Bon, du coup, trop de temps. Merde. Est-ce qu'on a une dissipation qui traîne quelque part? Parce que sinon, ça va être très très mauvais. Vous désignez la cible et moi, je frappe. Minsk, tu vas te focaliser sur le verre charognard. Imoen, sur le grenage.
Comme il est ralenti, ça devrait aller. Interromps-le, interromps. Parfait. Magnifique. Moi, je m'en vais. Ouais, par contre, il y en a un qui est en train de bouffer à travers Khalid. Plus de bagarre. Et la bagarre. Plus de la bagarre. Ma lame vous coupera. Les yeux. Il faut briser les yeux. Le fait qu'il est en train de coller des mornifles à Imoen. Oui. Un gaspillage de talent. Quoi? Un sim, t'es... On a pas de sort pour identifier, mais c'est pas grave. Et que ça aille vite. Bon, bah ça s'est plutôt mal, pas mal passé. Le combo rapidité plus lenteur, c'est quand même assez dévastateur. Quoi? Derrière ce quand tu veux. Et que ça aille vite. On va s'explorer les égouts, puis on va aller récupérer notre récompense auprès de la balafre. The Balafrose. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Je pense qu'il n'y a que cette zone en plus. Un monsieur qui pleurit. Vers tous les égouts, parce qu'on n'est pas là pour ça. On va remonter et aller voir la balafre. Récupérer notre récompense. Et ça nous permettra peut-être même d'aller faire un tour chez nos amis du trône de fer. Histoire de nous rappeler à leurs bons souvenirs. Aussitôt dit, aussitôt fait. Allons voir le point enflammé. Pendant que je me sers un petit peu d'eau avant de me déshydrater et de mourir. Bon, du coup, on aura quand même abattu pas mal de quêtes hein, sur ces quelques épisodes. On aura bien purgé la cité des quêtes qui étaient à faire. Ça nous permettra d'avancer un petit peu plus vite dans les épisodes prochains. Alors, la balafre. Je suis un homme de parole. Content de vous voir, où en êtes-vous? Nous avons appris que le responsable de toutes ces disparitions était un ogre mage caché dans les égouts. Il possédait plusieurs vers charognards qui sortaient discrètement la nuit pour enlever des victimes prises au hasard. Les vers dévoraient leurs proies infortunées tandis que l'ogre mage s'emparait de tous leurs objets de valeur. Oui, on va dire ça, on extrapole un peu, mais bon. Vous avez fait du bon travail et méritez bien votre prime. Avez-vous en votre possession certains des objets appartenant aux victimes de l'ogre? Je suis sûr que des familles aimeraient en avoir un souvenir de leur chère disparue. Nous savons de sources sûres que l'une des filles de Chassentar a été victime de ces créatures. Elle portait une chevalière sertine à rubis. Bon bah je vais regarder plus attentivement. Si vous y preniez le temps, je suis sûr que la famille Chassentar serait reconnaissante. Bien sûr. Ma femme a chauffé les oreilles. Bon bah finalement on va quand même se refaire les égouts. Entrée des égouts, il y en avait une dans le coin, là-bas. Ah le relou, il pouvait juste pas me taper sur l'épaule en me disant « Oui, c'est bon, tiens, voilà plein de thunes et plein d'XP. » Depuis quand font plus des preuves, quoi. Wow, Schlumcha, le roi des égouts. Avec le mes enfants, nous allons les inviter. Ah oui, je vous sens, et votre chef, vous avez été élevé parmi les livres. Ah, j'ai entendu parler de vous, Fade, j'ai entendu murmurer votre nom dans les salles de pierre, où les gazouillis de l'eau se mêlent aux bredouillis des morts. Ils voulaient votre mort, savez-vous? Qu'est-ce que cette merde? Qui êtes-vous, et que sont les créatures grouillantes dont vous êtes entouré? Ah, qui je suis? Oui, en effet, il y a si longtemps que j'étais cette forme hideuse, et... Ah, je vois dans votre esprit, je reconnais cet endroit, le souvenir que vous avez de ce que vous appelez un foyer. Dans le château Swift, jusqu'au printemps dernier, c'était le seul endroit que je connaissais. Je suis en train de me faire sonder l'esprit par une espèce de vase dégueulasse. Château Swift, j'étais là-bas, n'est-ce pas? Oui, dans ma forme plus jeune, quand j'étais un mage si fier de son talent, de son art.
Mais j'ai transcendé de cette forme il y a bien longtemps et je l'ai laissé derrière moi telle une mue. Ah, vous avez réveillé la faim, moi mon enfant, une faim de chair. Approchez-vous que je me rebaisse de vous. Pourquoi faut-il toujours que ça finisse comme ça? Un gaspillage de talent. Les habitants des égouts. Bon ben. Les yeux grands, il faut carnage. On va se faire le grand premier parce que je sens que ça va mal se finir sinon. Shade, tu vas te remettre à distance. Quoi? Ma lame vous coupera un morceau. Exactement. Je passe dehors. Bon bah. Hop. Pas mal de sorts de toucher de la goule. J'ai toujours raison. Hop. Bon, on va tuer le roi des égouts, oh, hein. Mon cœur n'y est pas vraiment. Je vais pas me laisser me faire parler par une espèce de gelée dégueulasse. 2500 XP pour ça. Un gaspillage de talent. Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel. Nous avons un cadavre et de je femme. Je ne veux pas y prendre part. Qui en veut? Qui n'en veut? Ben Khalid, t'es notre mule, donc c'est toi qui as monté. Oui. Bon bah c'est la tour des égouts, hein, on va se ramasser tout ce qui traîne. Une araignée géante. Il faut briser les yeux. C'est vite fait, bien fait. Plein d'autres araignées. Une araignée éclipsante. Il faut viser les yeux. Trois araignées éclipsantes. Ça fait du monde. Pour ceux qui ont péri. Non, à 1400 XP l'araignée, c'est pas mal. Sachant que nous avons encore une zone où on peut XP comme un porc près de Berigost et qu'on n'a même pas encore exploré. Nous avons cherché. Restez où j'aime pas l'enfant. Votre peau, elle est verdâtre, vivante et grouillante. Qu'est-ce qui vous a fait ça? Ah, pas vrai de vous, vous confondez. En bénédiction et malédiction. Que vaut votre chair si maigre face à cette beauté fatale qu'est la mienne? Que Choumchla qui a fait ce que je suis et voudriez vous réjouir si je vous octroyais le même privilège? Oui, bah non merci monsieur. Non. J'ai pas 21 charisme pour être transformé en espèce de zombie dégueulasse. Ou alors je serais le plus sexy des zombies. Araignée colossale. Sur tous les égouts à la recherche d'un anneau. Un blame. Vous couperez deux blames. Les yeux, vous. Il faut viser les yeux. Bon. Quoi? Khalid est immobilisé. On va quand même continuer à explorer en attendant. Pouvoir partir parce qu'il va devoir regrouper d'autres groupes avant d'aller plus loin. Là-bas, hop là. Tant pis, quand tu seras plus paralysé, il nous rejoindra bien vite. 58 000, on peut-être même passer niveau 7 dans cet épisode, ce serait incroyable. Que d'événements. Hop. Et que ça aille vite. Camaraderie. Il y a un monsieur qui grouille. Aventure et acier sur acier. Les ingrédients légendaires. Un anneau pour les gouverner tous. Ouais, bon, c'est un anneau pour compléter une quête. Avez-vous besoin? C'est un peu moins impressionnant. Je peux toujours essayer. Oh, il est lourd. Combien il fait? 185. Heureusement qu'il y a Minsk aussi qui sert de mulet. Hein. Oui. J'espère qu'il n'y a pas de mec à remonter. Un gaspillage de talent.
Bon. Qu'y a-t-il au sud? Moi, j'en ai assez. Vous êtes... J'en ai qui assez. Qui entend Jack 7 en ouais, dépit du bon sens. Vous avez du mal à se décoller, Imo et Nemins. Vous devez réunir votre groupe. Un anneau pour DPO. Oui, c'est ça. Un gaspillage de talent. C'est plus ça la mentalité. Donc Momra. Je suis Momra, je l'ai tué tous ceux qui s'opposent au mien. Craignez la furie de Momra, craignez ma colère et tremblez. Qui sont les vôtres exactement? Les miens règnent sur les tréfonds. Nous prospérerons sur vos déchets. La tribu de Momra est la plus puissante de tous. La tribu de Momra peut vaincre n'importe qui. N'importe qui! Personne ne résistera à Momra et sa tribu. C'est merveilleux que vous viviez là où nous vous débarrassons de tous nos déchets. Vous devriez être très fiers, hein. Vous nous sous-estimez, Momra. D'autres l'ont fait avant vous, y compris les ministrels. Ils ont tous essuyé la colère de Momra. Écoute, je suis désolé, Momra, si j'étais choqué, hein, mais... J'ai toujours raison. Ta vie a été rapidement écoutée. J'ai toujours raison. Par contre, les commandos kobold, c'est assez relou. Exavit, toi là-bas, Khalid là-bas, Jair là-bas, Jojo le fossoyeur, oui. Un peu dans l'écarissage. Ah, ramasser des cadavres, c'est pas trop classe quand même. Moins de paroles et plus de bagarre. Quoi? Oui. Vous désignez la cible et moi je frappe. Aïe. Quoi? Oui. Exavit, aussitôt dit, aussitôt fait. Grosse baston. Par ici. Inventaire plein. Ibouen, tu es relou. Laisse-moi te le dire. Quoi? Faudrait que je mette des soins un petit peu plus sexy du coup pour... Faudrait que je retrouve les voix d'Imoen histoire d'être bien relou quand il y a quelqu'un qui sub ou un truc comme ça. D'avoir un quoi? Oui. Bien sûr. Quand il y a quelqu'un qui follow, je ne prends pas de sub. Je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça uniquement pour la gloire, la drogue et les prostituées. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir cette fois? Jusqu'ici, rien. Nous avons un rat, nous avons un tas de trucs et plein de cadavres. Ouais, super des cadavres, mais... De 1, il pèse super lourd. Bon, on est d'accord, leur famille tenait pas vraiment à eux. Je ferai de mon mieux. Ah, Khalid, t'es ralenti, mais quand t'es une bonne de vitesse, t'es pas bien. Du coup, on va stocker gentiment les cadavres ici. Hop là. Moins de... Donc j'accepte moment... en défi c'est, du bon c'est sens. Relou. Quoi? Moi, je suis venu te chercher juste un bien anneau sûr. À la base. Je me retrouve à faire tous les égouts de la porte de Baldur à la recherche d'un anneau à la con. Qui ça tombe était au côté du... de l'ogre mage et j'ai pas fait gaffe. C'est peut-être les gens que tu as butés dans la ville. Non, les égouts seraient beaucoup plus pleins que ça. Nous avons des nettoyeurs d'égouts. Salut, cop. Vous devriez pas être ici, c'est dangereux si vous ne connaissez pas le coin. Vous ne subornez pas l'honneur, vous non plus. Ouais, il est pas trop chaud, il y a Momra dans le coin quand même. Une jolie ocre. Une jolie ocre qui ne ressent pas les coups que je lui porte. Hop, mais est-ce que nous en débarrasser?
Ouais, je pense que si c'était tous les cadavres de ce que j'ai tué, rien qu'avec l'épisode précédent, Gorion serait il y aurait des... fier de vous. Il y aurait des torrents de sang. Allez, 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 allez. Un anneau, un anneau. Il y a un chien qui est en train de se faire bouffer, c'est cool. La bonne ambiance. De toute façon, on était obligé de passer par là, hein. Les jeux vidéo, ça... les égouts, ça reste un poncif du jeu vidéo. Quel jeu n'a pas un bon vieux stage des égouts, hein? Peut-être FIFA. Et encore. On va essayer de retrouver après l'endroit où on avait trouvé le grommage, parce que du coup, j'ai raté un truc. Ou alors, c'est un anneau qu'on a récupéré et... Un autre dans ce flamme, non, on s'en fout. Une obsidienne, on s'en fout. Non, et non. J'aurais pas mis dans la poche à gemme. Non. Et que ça aille vite. Reste un cul-de-sac. Je suis agacé. I am agaced. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Du coup. C'était pas là qu'il était. On va remonter ici. Voilà. Un gaspillage de talent. Oui, mais vous il manque la lave. Votre groupe avant d'aller plus loin. Il manque la lave de. Ah oui, pour un le fameux stage, les fameux stages clichés de jeux vidéo. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu le stage de la lave. On n'a pas eu non plus le stage de glace où ça glisse. Dans le coin là-bas, je crois. On aurait dû entrer dans le coin. Ouais. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, j'espère que l'anneau il est là parce que ça me saoule de me faire tous les égouts. Même pour vous, c'est pas vraiment les zones les plus intéressantes. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Là-bas. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour ceux qui ont péri. Bon, on a rien dit bien fini, cher. Hop. Encore une araignée éclipsante. Bon, ça me fait discret, je suis content, mais bon. C'est pas pour ça que je suis venu à la base. Alors, est-ce que vous êtes sûr de laisser Dinaire toute seule dans la tête? Elle a tendance à mourir par accident. Khalid. Qu'est-ce que tu vois dans le coin? Rien. Rien. C'est pas là. C'est là qu'il y avait tout. Ah, là-bas à gauche, il y a des trucs que j'avais raté en effet. On aura fait tout le tour des égouts de la ville juste parce que j'avais raté le truc qui était à côté de ma cible. J'ai pas encore combattu mon double maléfique non plus, ouais. Une dinde de rubis et une chevalière, bah voilà ce qu'on cherchait. Oui, bien sûr. On va le filer à quelqu'un d'autre. Ouais, il est trop encombré.
Quoi? Bien sûr. Est-ce qu'on doit ramener Josette? Corps de femme noble. Alors autant on a lâché les pauvres dans un taudis. Cadavre d'homme, un ninjato. Cadavre de femme, cadavre d'homme. Huile de rapidité. Hop. Cadavre d'homme, potion de résistance à la magie. Moins de paroles, et un carnage pour la bonne cause. Voilà, on va juste prendre la noble, hein. Et que ça aille vite. Les pauvres, ils sont morts dans les égouts, c'est un petit peu leur place naturelle. Je vais réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Finalement, ça leur change pas beaucoup de leur habitation habituelle, hein. Et enfin, on va pouvoir rendre cette quête à la balafre. Un gaspillage de talent. S'il me dit qu'il faut que j'aille jusqu'à un autre manoir pour aller vendre, pour aller refiler l'anneau, je vais lâcher un gros soupir. Un gros soupir. Un gaspillage de talent. Je suis un homme de parole. Nous avons retrouvé cette bague d'aspect particulier. Non, je renonce. J'en ai marre. Nous avons retrouvé une bague d'aspect particulier. Je reconnais cette blague, elle appartenait à la famille des Sachentar, elle faisait partie des disparus, elle aussi. Je suis certain que la famille voudra donner de dignes funérailles à leur fille. Voudriez-vous bien retourner aux égouts et rapporter le corps? Vous pouvez me le ramener et j'annoncerai la nouvelle aux Sachentar. En fait, j'ai ramené le corps avec moi et été battu de façon si exquise que j'ai senti qu'elle devait être une personne importante. Vous avez bien fait, peut-être les Sachentar vont-ils trouver la paix maintenant. Veuillez accepter cette prime de 3000 pièces d'or, vous avez ramené le corps. En tout cas, je vais avoir besoin de gens pour aller enquêter au trône de fer, j'ai la paperasserie terminée, ensuite je serai à l'extérieur des portes principales de la caserne du Point Enflammé. Si vous voulez discuter du trône de fer, venez m'y retrouver. Oui! Enfin! Enfin, on a fini cette quête! Enfin, on a fini cette quête, et on est à combien? On doit être à 1h et des brouettes de live. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, on va se faire le trône de fer au prochain épisode et découvrir ce qui se cache en haut de la tour. Bonjour la compagnie. Donc sur ce, je vais sauvegarder déjà, sinon ça va être la cata. Et je vous souhaite une bonne fin d'épisode. Laissez les pouces, les commentaires, les partages habituels. Et à la prochaine. Salut. Pour les gens de Twitch, partez pas tout de suite.